Ça va, bien-aimé du Seigneur. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à notre culte, à notre rencontre prophétique plutôt. Voilà, ça fait 2 semaines, on entame le thème sur les cultes, l'évangile et les cultes. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce thème si merveilleux, par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Voilà, la première intervention du week-end dernier, on a reçu vraiment témoignage de la grâce de Dieu qui a été relâchée pendant ces moments. Et nous pouvons être reconnaissants envers le Seigneur pour sa fidélité. Voilà, sa fidélité et sa grandeur. Donc, pour vous que je n'ai pas encore vu depuis la semaine dernière, je tiens tout simplement à vous souhaiter, excusez-moi, une joyeuse fête de Pentecôte. Voilà, comme je l'ai dit dans le cadre de notre assemblée, j'ai expliqué que la Pentecôte fait partie des fêtes chrétiennes. Voilà, nous devons célébrer la Pentecôte comme nous célébrons notre anniversaire. Nous devons célébrer la Pentecôte comme nous célébrons la nouvelle année. C'est vrai que sur le plan physique, nous ne faisons pas partie d'Israël parce que ça fait une porte. La Pentecôte fait partie d'une fête, fait partie des fêtes de la nation d'Israël. Ouais. Parce qu'il faut que nous rappelons que l'évangile, les lois et les patriarches ont été donnés à Israël. Donc, ça fait partie de leur nation, ça fait partie de leur constitution, ça fait partie de leur culture. Amen. Donc, la Pentecôte en Israël, ça fait partie de leur culture. Bon, mais nous ne faisons pas partie de manière officielle de Israël. Mais nous sommes rattachés à Israël par Jésus-Christ de Nazareth. Et quand ça fait une fête, ça fait des fêtes que Dieu a données à ses enfants. Voilà, donc nous devons célébrer la Pentecôte. Amen. Et je crois qu'avec le temps, nous allons faire des rencontres prophétiques. Nous allons traiter ces thèmes sur les fêtes et sur la culture juive pour comprendre un peu ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, nous prions le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu, nous avons la foi, mais nous ne comprenons pas sur le plan contextuel. Ce que le Seigneur a pu dire au peuple. Voilà, il faut vraiment qu'on soit dans le contexte pour comprendre les choses. Donc voilà, nous sommes au deuxième jour de notre rencontre prophétique sur l'évangile des cultes. Le premier déjà, le jeudi dernier, vraiment, le Seigneur a vraiment opéré et une façon de recevoir des témoignages pour sa fidélité. Voilà, Dieu a vraiment visité des personnes et nous sommes vraiment reconnaissant envers le Saint-Esprit qui opère encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui parle encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui restaure encore aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants et nous lui rendons toute la gloire. La gloire au Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons rendre grâce à Dieu, tout simplement, sans bénir le Seigneur par la grâce de Dieu. Et puis, nous allons commencer notre temps. Au nom du Christ de Nazareth, nous te bénissons, Père Dieu de gloire. Merci pour ce moment que tu permets que nous puissions passer devant ta présence. Seigneur, étends ta main de grâce, ô Père, que ce moment soit un moment de bénédiction, de moment de victoire, de moment d'impactation, de moment où tu ouvres les yeux de tes enfants par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois glorifié, sois magnifié, bénis tes enfants. Glorifie le nom de Jésus. Humilie l'adversaire ce soir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et Amen. Que le Saint-Esprit soit célébré. Permettez-moi. Donc, voilà. Donc, nous allons parler jeudi dernier. Donc, avant d'aller en profondeur, je vais vous rappeler les choses. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo, donc au moins 10 groupes, au moins 10 groupes, et
Et pendant la prédication, vous pouvez balancer des likes parce que ça permet au Père à l'évangile à être répondu parce que c'est comme ça le système. Si on ne partage pas, si on ne balance pas les likes, la vidéo ne va pas monter pour pouvoir permettre aux personnes de suivre la vidéo qu'ils sont en train de faire. Donc, donnez l'opportunité à Jésus de parler à plusieurs personnes. Voilà, déjà dernièrement, il y a eu vraiment du monde qui était connecté jeudi dernier. Et nous bénissons le Seigneur. On peut faire la même chose encore aujourd'hui pour la seule gloire de son nom. Amen, amen et amen. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'évangile et de culte. Nous avons expliqué jeudi dernier les cultes. C'est quoi les cultes? L'évangile. C'est quoi l'évangile même? Donc le Seigneur a dit, nous devons repartir à l'évangile pur. Parce que nous constatons que dans nos assemblées, nous ne prêchons plus l'évangile, nous ne prêchons plus la croix, nous ne prêchons plus la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, nous prêchons que des thèmes mystiques parce que Dieu même m'a interpellé dans mes temps de jeûne, il m'a clairement dit, arrêtez vos thèmes bizarres, là, mystico, évangéliques, tout ça là. Je paraphrase, hein, parce que les mots exacts, c'est dans mes notes, voilà, mais le Seigneur a vraiment repris, arrêtez ces thèmes-là, revenez à l'évangile pur. Voilà, vos thèmes mystiques là, les paradis ne se lèvent pas, les morts ne ressuscitent pas, les gens ne sont pas guéris, voilà, les âmes ne sont pas touchées, il n'y a pas un réveil. Voilà, c'est clair, mais il faut revenir, et c'est là où j'ai eu la vision, faire les directs sur l'évangile et les cultes. Voilà, donc c'est là où j'ai bloqué ça pour pouvoir nous interpeller. En fait, c'est aussi un message prophétique. Voilà, je joue mon rôle en tant que prophète. Pouvoir donner le ainsi dit l'Éternel pour la saison à laquelle nous sommes en train de rentrer, parce que nous sommes en train d'entamer le sixième mois plutôt, le mois de juin, c'est un mois de moisson. Voilà, c'est le mois de moisson ou de récolte. Voilà, même en Israël, quand Jésus a dit, vous avez dit que non, il reste le temps et la moisson, mais je vous dis déjà que la moisson est déjà prête. C'était à la période de juin, entre mai et juin, que Jésus parlait cela. Tout ça là, donc voilà, il faut vraiment par la grâce de Dieu. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler des cultes. Amen. Nous allons parler des cultes. Gloire à Dieu. Donc nous allons, avant d'aller en profondeur, nous allons essayer. Donc je shalom toutes les personnes qui se connectent. Par la grâce de Dieu. Je vous donne un très bon shalom. Bienvenue à la rencontre du vrai prophétique. Amen. Voilà, parce que dans toute chose, il y a le vrai, il y a le vrai et le faux. En toute chose, il y a le vrai et le faux. Voilà. Donc, je dis à bienvenue à la rencontre du vrai prophétique. Vous savez, j'avais suivi un direct, pas un direct, à l'époque même, je ne sais même pas si Facebook existait encore. Vous voyez dans nos books télé, les books télé là, sur Canal, tout ça là, et j'ai vu qu'il y avait une chaîne spécifique pour les médiums. Ils avaient une chaîne à eux. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, ça fait des années en arrière, voire une dizaine d'années en arrière. Je ne sais pas si ça existe encore. Si ça existe encore, vous pouvez confirmer ou infirmer. Et j'étais en train de regarder cette chaîne. Et puis c'était vers minuit. Je tentais de regarder cette chaîne. Et ma femme est venue pour dire, mais toi tu es homme de Dieu, pourquoi tu t'arrêtes pour regarder la chaîne? Regarde autre chose. J'ai dit, chérie, quand un prophète regarde quelque chose, c'est qu'il va apprendre quelque chose pour enseigner l'église. J'ai dit, je regarde ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que je veux voir. Et, bien aimé, je regardais, les personnes m'appelaient, la médium regardait. Disait allô, et quand il disait allô, oui, c'est qui? Je suis tel, 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 tel. Il dit, votre numéro de carte bancaire? La personne donne le numéro de sa carte bancaire, voilà, c'est ça, ta, 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 ta. Elle regarde d'abord dans son TPE, elle voit, paf, c'est passé, pouf. Ok, c'est passé, je vous écoute. Je dis, ah, à chaque fois, à chaque appel, c'était comme ça. Elle donnait des prophéties, je vois ça, je vois ça. Dès que, amen, que Dieu, pas que Dieu vous bénisse, elle dit au revoir, voilà, portez-vous bien, papa, papa. Deuxième appel vient, numéro 4 bancaire. Et je dis, ah, je crois que c'est Dieu voulait que je voie ça. Amen. Amen.
La Bible dit, on ne va pas dans la maison, on ne vient pas dans la présence du prophète, on ne vient pas voir le prophète les mains vides. Amen. C'est ce que les Écritures nous disent. Ça, c'est un principe de Dieu. Amen. C'est un principe de Dieu. Mais, bien-aimé, que Dieu aide. Moi, j'ai senti de fouiller. Est-ce que ces personnes, vraiment, quand tu as un cœur, j'étais en mission au Gabon en 2013, si je ne me trompe pas, 2013, bien-aimé, c'était dans un thème de délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a vraiment opéré. Il y a eu des guérisons. Je crois que la vidéo est sur ma chaîne YouTube où j'ai une partie de la prédication. Le Seigneur a vraiment opéré des guérisons miraculeuses, des délivrances extraordinaires. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé du Seigneur? Et après, l'homme de Dieu qui me recevait a organisé des temps d'entretien. Il dit, vous voyez, on ne peut pas tout faire. Venez voir l'homme, le prophète, il vient de l'Europe. Bon, il fait la talakou. Voilà, entretien. L'homme de Dieu avait exigé aux personnes qui viennent me voir de venir avec une enveloppe. Il dit, si vous n'avez pas d'enveloppe, venez pas voir l'homme de Dieu. Bon, moi, personnellement, ça me gênait. Moi, personnellement, ça me gênait parce que, bon, moi, je ne bosse pas comme ça. Amen. Je sais qu'il est important quand tu vas au prophète, tu dois faire une offrande. Ça, c'est un principe. On ne joue pas avec. C'est un principe divin. Mais, il y a des trucs qui me dérangent, en fait. Il y a des trucs qui me dérangent. Voilà. Voilà. Donc, il y a des trucs qui me dérangent vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je recevais des gens, les gens venaient à un prophète. Voilà, voici l'enveloppe. Voici prophète, voici l'enveloppe. Je dis, assieds-toi. Bon, ça me dérangeait un peu. Je dis, assieds-toi d'abord. On va d'abord travailler. Hein? Parce que l'ouvrier mérite de travailler. Ne me donne pas d'abord l'enveloppe. Laisse-moi d'abord travailler. Tu me donnes l'enveloppe et on n'a pas encore travaillé. Tout ça là. Mais avec l'autre, voilà, il faut faire. Bon, on fait bref. Je recevais des gens, le Seigneur opérait. Des délivrances instantanées. C'est une période de ma vie. Pendant tous les entretiens, Dieu délivrait des personnes instantanément. C'était extraordinaire. Voilà. Et les gens recevaient des délivrances. Et à tel point, il y a un monsieur qui est arrivé. Je lui ai dit, oui, monsieur, vous êtes venu au séminaire? Il me dit non. Je ne vais pas parler du séminaire. Il dit non, non, prophète, je n'ai pas un séminaire. On m'a juste dit qu'il y a un homme de Dieu qui est ici. Je suis venu le voir. Tout ça. Et je dis, mais ce séminaire-là, cet entretien, c'est pour les gens qui assistent au séminaire. Et le Seigneur m'a dit, tais-toi, reçois-le. Je dis, bon, entrez, j'ai fermé la porte. Tout ça là. Je dis, oui, c'est quoi le problème? Et il m'explique, ah, prophète, je n'arrive pas à payer mon loyer. J'ai dit, aïe. Bon, j'étais un peu perturbé parce que c'était sur le thème de la délivrance. J'ai traité 3 jours sur la délivrance. Donc, moi, je voulais. On devait continuer le travail. Les gens qui ont été touchés, que Dieu a révélé même des choses. Voilà, c'était pour continuer le travail. Mais lui, il ne vient de nulle part. Voilà, il n'est pas dans le séminaire, mais il dit non. J'ai dit, mais c'est quoi le loyer? Il dit, je loue une chambre. Où c'est? Pas loin de l'église. J'ai dit, la chambre, c'est combien? La chambre, c'est combien? Il me dit qu'il avait un retard de 2 ou 3 mois. J'ai dit, la chambre, c'est combien? La chambre, coûtait le loyer de la chambre, c'était 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA qui est l'équivalent de, si je me, 10 000 francs CFA, attendez, je vais regarder. 10 000 francs CFA, vous qui calculez bien là, je n'ai pas mon truc ici. 10 000, c'est combien en euros? 10 000, c'est combien en euros? Je n'ai pas mon calculatrice pour bien. Bon, en tout cas, c'était 10 000. En tout cas, calculer ça là-bas, moi, je n'ai pas tout ici, là. Voilà. Donc, 10 000 francs CFA. Je dis, ah! Donc, tu as une arrêt de 3 mois. Non, ça fait combien? Non, j'ai dit, tu as une arrêt de 2 mois. Voilà, je crois que c'était 2 mois. Donc, ça fait 20 000. Je dis, ah! Mais d'habitude, c'est entretien, on prie, ils déposent l'enveloppe et puis ils partent. Et j'étais comme ça, et le Seigneur me dit, l'argent que tu as dans ta poche là, prends 30 000, donne-lui ses prix pour lui, évangélise-le. Voilà, 15 euros, 15 euros.
La chambre, il n'arrivait pas à payer 15 euros. Parce qu'il m'a expliqué, en fait, il était tombé malade. Et depuis là, il est tombé malade, il a perdu son travail, il n'arrive plus à payer le truc. Pour 15 euros. Donc le Seigneur m'a dit, ce qui est dans ta poche là, prends l'argent, donne-lui ça et évangélise-le. J'ai ouvert mon porte-monnaie, j'ai dit, bon, tu dois 2 mois, oui, j'ai pris 30 000. J'ai dit, tiens, va prier déjà 3 mois. Comme ça, tu es tranquille. Et j'ai prié pour que Dieu le guérisse complètement. J'ai déclaré la grâce de Dieu. Et je lui ai dit, mon frère, arrange-toi les dimanches, viens prier ici. Attache-toi au Seigneur, j'ai commencé à l'évangéliser. Il dit, oui, papa, oui, papa, oui, papa. Il est parti et après, j'ai reçu. Donc, vous voyez que je t'ai invité dans un truc. On dit, avant de recevoir le prophète, venez avec une offrande. Et c'est là, le Seigneur m'a dit, si tu ne voulais pas recevoir ce gars, si tu ne voulais pas recevoir cette personne, ok, si tu ne voulais pas recevoir cette personne, parce qu'il ne t'a pas fait une offrande, tu avais sur une âme qui allait se perdre. Parce que tu l'as reçu sans attendre une offrande, finalement, c'est toi qui l'as donné, qui lui a donné ça. C'était l'enseignement du jour. Vous voyez, c'est important. Voilà, de venir s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu quand tu te reçois en réception. Mais il y a des circonstances. Si tu n'as rien, c'est pour ça que moi, par rapport aux réceptions, mes enfants spirituels et les personnes qui me connaissent comme ça, si tu n'as rien, tu as besoin d'entretien, moi je ne te chasse pas, je t'écoute, je prie pour toi. Le temps vient, j'ai eu beaucoup de cas comme ça, j'ai prié pour des personnes, ils n'avaient rien, c'était chaos technique, rien même. On a prié, on a Dieu donné des révélations précises, Dieu a débloqué des choses. Mais un jour, lorsque Dieu les a visités, ils ont manifesté leur reconnaissance. Ils ont dit, ah papa, voilà, voici notre offrande. Or, à la période, ils n'avaient rien. Ouais. Vous voyez que, comment dirais-je, là je suis encore dans la fin de développement de l'évangile, vous voyez que même la personne qui a dit ça, on ne voit pas un prophète les mains vides, c'était dans le texte de Samuel. Lorsqu'il est venu voir Samuel, il est venu, et il s'appelle comment? Saül est venu avec l'offrande de son serviteur. C'était même pas son offrande, il n'avait rien. C'est quelqu'un qui lui a prêté, qui lui a donné de l'argent, va faire l'offrande pour recevoir le prophète. C'est que, voilà, donc c'est pour ça il faut avoir des bons voisins, il faut avoir des bonnes connexions, il faut avoir des bons amis. Tu veux poser une action et là, tu peux demander, ah mon frère, donne-moi 50 euros, donne-moi 100 euros, je viens de faire une offrande. Si tu as des bons voisins comme ça, il peut dire, bon, tiens 50 euros, tiens 100 euros, tu vas faire l'offrande. Mais quand ils sont venus vers Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, la Bible dit clairement, quand ils sont venus voir Samuel, Samuel n'a même pas pris leur offrande. Lisez bien le texte. C'est 1 Samuel à partir du chapitre 9. Jusqu'au chapitre 10, vous allez voir que Samuel n'a même pas pris leur offrande. C'est même Samuel qui leur a donné à manger. Samuel qui les a logés, nourris bien. Le lendemain, ils sont partis. Rien n'est dit que Samuel a pris l'offrande. Donc, il peut arriver, homme de Dieu, il peut arriver que les personnes, ils n'ont rien. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien. Il ne faut pas le rejeter, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Reçois quand même la personne, prie avec la personne, prophétise, dépose l'onction la plus dangereuse sur la personne et laisse ça entre les mains du Seigneur. Amen. On ne sert pas Dieu pour l'appât du gain. J'ai encore dans le concept de l'évangile. On ne sert pas Dieu pour l'appât du gain. On ne prêche pas l'évangile pour l'appât du gain. Je vais prêcher là-bas, mais il y a des périodes, il y a des endroits, j'ai été invité à prêcher, je vais dire la vérité, il y a même des périodes, tu as fait un grand travail. Il y a une période, j'ai fait un travail pendant plusieurs mois. On n'a même pas donné 1 centime comme offrande. Pendant un travail de 6 mois, au moins 6 mois, même plus, on ne me donne pas 1 centime comme offrande. Mais c'est là, je me consacrais encore. Je cherchais des miracles authentiques, des dieux sauvés des personnes. Je n'ai pas reçu une offrande. Or, c'est une période où j'avais besoin des finances. J'avais besoin des finances. On ne m'a rien donné. Et j'avais organisé plusieurs rencontres. C'est les autres serviteurs de Dieu que j'invitais pour prêcher. C'est à eux qu'on faisait les offrandes. Mais moi, on ne me donnait pas d'offrande. Moi qui travaillais là. Je vais dire la vérité.
Ah, on ne prêche pas Dieu. Nous, là, on ne prêche pas Dieu. Parce que, en chaîne, moi, ça fait plus de 20 ans que je sers le Seigneur. J'ai consacré ma vie au service du Seigneur. J'avais 7 ans. Entre 6 et 7 ans. Alléluia. Amen. On ne cherche pas Dieu. Moi, Dieu m'a fait grâce. Je ne sais pas. On ne cherche pas Dieu. On ne sert pas Dieu. On ne prêche pas l'évangile pour gagner d'abord de l'argent. On prêche l'évangile d'abord pour sauver les âmes, pour délivrer les vies, pour sauver les familles, pour former des ouvriers. Et après, tu vas enseigner les gens l'importance de faire des offrandes, l'importance de s'aimer dans l'œuvre, l'importance de faire des offrandes par mois. Mais la priorité, c'est d'abord de gagner les âmes. La priorité, il y a une de mes... Ma femme m'avait raconté une fois qu'elle était partie dans une assemblée. Cette assemblée, c'était une servante de Dieu. C'était une servante de Dieu, apparemment, qui travaillait beaucoup dans les réceptions prophétiques. Une fois, ma femme est partie la voir à l'époque, au tout début de sa foi. Elle cherchait encore. Voilà, elle demandait, voilà, et la servante de Dieu a même des prophéties. La prophétie était fausse même. Et quand elle m'a raconté ça, elle dit, tu sais que la prophétie, là, c'est une fausse prophétie. Elle m'a dit, ah, c'est vrai, tu avais raison. Elle a donné une fausse prophétie même. Prophétie qui a tapé poteau. Raté même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ma femme voulait se lever, elle a fait un visage aussi, elle s'énervait. Là, elle fait comprendre, en fait, tu n'as pas déposé l'offrande. Elle dit, ah oui. Elle a pris son enveloppe, son sac, elle a déposé, elle est partie. Après une fausse prophétie qui dit, non, mais bien-aimé, vous voyez un peu, vous voyez un peu, si tu sers Dieu pour avoir de l'argent, bien-aimé, tu t'es trompé, ta motivation est mauvaise. Mon gars, repars au travail, bien repars à l'école, va travailler dans un bureau, bien lance une entreprise. Si tu sers Dieu pour avoir de l'argent, mon gars, tu t'es trompé tu t'es trompé. Tu t'es trompé, Dieu ne t'a pas appelé. Dieu ne t'a pas appelé. Dieu ne t'a pas appelé. On sert Dieu pour gagner les âmes. On prêche l'évangile pour sauver les vies. On prêche l'évangile pour amener les gens à Christ, pour bâtir les vies, pour que ces personnes deviennent des disciples, pour que eux-mêmes maintenant puissent être des instruments pour gagner d'autres âmes. Amen. La gloire ne doit pas être autour de toi, homme de Dieu. La gloire doit se répandre. Jésus a dit, la gloire que tu m'as donnée, j'ai les yeux aussi donné cela. Un véritable prédicateur ne garde pas la gloire pour lui. Il fait tout pour que ces personnes aussi manifestent la gloire. Amen. Voilà. Pour que ces personnes aussi manifestent l'onction. Pour que ces personnes aussi, Dieu les utilise. Amen. Amen, 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 amen. C'est ça, bien-aimé. L'évangile est prêché pour gagner les âmes. Mais non, le reste, ce sont des quêtes secondaires. L'évangile est gratuite, l'évangélisation coûte cher. Voilà, maintenant, il faut expliquer que l'évangélisation, on a besoin de ça. L'homme de Dieu a besoin de manger. Juste expliquer, tu enseignes tes trucs. Mais maintenant, ce n'est pas les menacer. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà, donc, c'est la fin. Bon, voilà. Prochainement, je vais développer un autre aspect, l'évangile. Je vais développer prochainement, je vais parler l'évangile. Je vais parler peut-être l'évangile et l'onction, l'évangile et la guérison, l'évangile et la délivrance. Voilà, pendant jusqu'à la fin de l'année, je fais des concepts comme ça. L'évangile et le vêtement, l'évangile et le mariage, l'évangile et les finances, l'évangile. Je vais développer des concepts comme ça pour vous bénir, pour vous ouvrir l'esprit, afin que vous puissiez fonctionner selon la grâce de Dieu. Donc, ok. Les cultes. Aujourd'hui, on va parler des cultes, particulièrement les cultes. Avant, puisque le thème, c'est l'évangile et les cultes. Prochainement, je vais développer d'autres concepts. Amen. Voilà. On va parler des cultes. Par définition, c'est quoi un culte? D'abord, on va définir d'abord un culte par le dictionnaire. Le mot culte, le dictionnaire donne deux définitions, bon, qui se ressemblent, mais c'est deux définitions. Un culte, c'est quoi? C'est un hommage religieux rendu à la divinité ou à un saint personnage. Amen. Selon le dictionnaire, le culte,
C'est un hommage qu'on rend à une divinité ou à un dieu, voilà, ou à un saint personnage. Voilà, une personne consacrée, voilà. Deuxième définition, le culte, c'est quoi? C'est pratique réglée par une religion pour rendre hommage à la divinité. Amen. C'est une pratique, voilà, des institutions, des coutumes, une discipline établie par une religion pour rendre hommage à une divinité. Donc, vous voyez que le culte tourne toujours autour d'une divinité. Amen. Le culte tourne autour d'une divinité. Donc, vous voyez la première définition, on dit un homme saint. Ça, c'est une erreur parce que c'est le dictionnaire que j'ai vu. C'est une définition erronique parce que le culte ne se rend pas un homme. Quel que soit le niveau de la personne, ne rend pas un culte à un être humain. Un culte se rend à un dieu. Amen. Ce sont des rites, ce sont des rites établis en l'honneur d'un dieu. C'est ça, un culte. Voilà. Et maintenant, nous allons aller dans les Écritures. C'est quoi un culte? Amen. Voilà. Sachez que les Écritures, c'est quoi? Tout simplement, ce sont des rites ce sont des rites qui ont pour objectif de célébrer, d'adorer Dieu. C'est ça un culte. Amen. Mais regardez ce que Romains chapitre 12, verset 1 nous dit. Amen. Romains chapitre 12, verset 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, vous voyez que les Écritures, par la vie de l'apôtre Paul, sont en train de donner une définition très ponctuée du culte. La Bible dit que, selon l'apôtre Paul, tout cela, Romains 12, 1, que le culte, selon Dieu, c'est quoi? C'est d'offrir notre corps, amen, comme un sacrifice saint à Dieu. Donc, le culte, selon la parole de Dieu, c'est quoi? C'est offrir ta vie à Dieu. Amen. Écoutez, non, excusez-moi, je vais vous expliquer bien. Parce que quand on dit offrir ta vie à Dieu, faut pas qu'on parte dans les extrêmes. Non, c'est pas maintenant, tu vas te brûler. Je vais faire l'honneur de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui le font. Il y a des rites comme ça où les gens se sacrifient. Par exemple, nos cousins, les musulmans, je ne suis pas en train de les attaquer. Voilà, on aime les musulmans et on prie qu'ils aient la révélation de Issa, parce que dans le Coran lui-même dit que c'est Issa qui doit revenir juger le monde. Le Coran dit, si tu es un véritable musulman, obéis aux paroles de Issa. Voilà. Mais il y a quelque chose, il y a une erreur qui est dans la foi de nos cousins, les musulmans, c'est que il y a ce qu'ils appellent ah, j'ai oublié le nom en arabe. Je ne sais pas si ma fille Mouna est là, elle pourra me situer. Où ils disent en fait que si tu te sacrifies, si tu t'offres en sacrifice, tout cela pour la cause de Allah, pour la cause de Allah, tout cela, qu'est-ce qui se passe? Tu auras sept vierges, je crois que c'est sept vierges, hein? Sept vierges au ciel. Sept vierges, je crois que c'est sept. Sept vierges au djihad, voilà, la djihad, voilà, la djihad, voilà. Sept vierges au ciel. Donc, vous voyez que c'est déjà erroné. Comment tu vas. Dieu déjà interdit. Voilà, ok, la djihad, voilà. Dieu déjà, c'est le mot que j'avais, mais je ne me rappelle plus. Dieu déjà dit, celui qui détruit, vous êtes le temple de cet esprit, celui qui détruit ce temple, Dieu le détruira. Donc déjà, comment tu vas détruire ce temple qui est censé être l'appartenance de Dieu? Tu n'as aucun droit de détruire ton corps. Tu n'as aucun droit de te tuer. Bien-aimé, si toi tu te tues ou te suicides, au nom de quoi tu iras en enfer? S'il y a un esprit de suicide qui te pousse, toi qui m'écoutes, je te dis, si tu le fais, si tu passes à l'acte, tu iras en enfer. Tu n'as aucun droit de te donner la mort. Si tu es opprimé, prie au Seigneur. Le Seigneur va te délivrer.
Si les combats sont tués, nous sommes là. Appelle-nous. Ou bien écris-nous, on va t'appeler, on va prier pour toi pour que l'esprit de mort te lâche et tu vas reprendre goût à la vie. Amen. Amen, amen, amen. Donc voici un peu l'une des erreurs de nos cousins les musulmans. Voilà, qu'il faut te donner la mort et tu auras cette vierge. Bien-aimée, c'est fou. Ah, on dit que le djihad, c'est le laisser passer au paradis. Oh Seigneur, oh my God. Éclaire nos cousins, éclaire mes cousins, les musulmans, éclaire-le. Tout ça là. S'il y a un musulman qui est connecté, sache que nous vous aimons par l'amour de Dieu. Voilà. Et que Dieu vous accorde la révélation de Issa. Voilà. Lisez vous-même le Coran. Moi, j'ai mon Coran dans ma bibliothèque là. Tout ça, lisez vous-même le Coran, vous allez voir que le Coran vous amène à Issa. Le Coran dit, même si vous avez des questions à poser sur les choses de Dieu, partez poser la question aux enfants du livre. Les enfants du livre, ce sont les chrétiens. Si vous ne comprenez pas la foi, posez-nous les questions, posez les personnes ointes, et nous allons, par la parole de Dieu, essayer de répondre avec la grâce de Dieu. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Amen. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu a une grande promesse pour vous. Et c'est écrit dans le livre de la Genèse où, par la vie d'Abraham, Dieu a promis qu'il allait visiter Ismaël et ses enfants. Parce que l'islam vient de Ismaël. Ça vient de la lignée de Ismaël. Dieu a donné une promesse à Ismaël. Sache que Ismaël, les musulmans, Jésus vous aime. Dieu vous aime. Il a un plan merveilleux voilà, pour vous. Voilà. Que Dieu vous éclaire par l'amour de Dieu. Mouah. Amen. Voilà. Que Dieu nous aide. Voilà. Donc, vous voyez que dans le culte raisonnable, c'est offrir notre corps. En fait, quand on dit d'offrir notre corps, premièrement, offrir notre corps, c'est de laisser Dieu nous travailler, premièrement. C'est de laisser Dieu nous façonner. C'est de faire les choses, c'est interdire les choses à notre corps que Dieu n'aime pas. Par exemple, quand on dit offrir notre corps, déjà, ça parle déjà du vêtement. Je ferai des rencontres prophétiques sur l'évangile des vêtements. J'aurai le temps de vous expliquer ça. Ça parlera du vêtement. Il faut bien vous habiller. Il faut vous habiller de manière décente. Ça parle de quoi? De ne pas vivre dans... Excusez-moi, je suis en train de supprimer un truc là. Voilà. Ok, voilà. Donc, ça parle de quoi? Offrir notre corps en sacrifice. Ça parle aussi de ne pas livrer notre corps... de ne pas ouvrir notre corps à quoi? À l'impudicité, à l'adultère, à la fornication, de ne pas ouvrir notre corps à la cigarette, à toutes les choses qui peuvent nuire. Amen. Nuire à notre corps. Amen. Ça va même au niveau de la santé, même au niveau de la nutrition. Amen. Allez, c'est aussi ça, ouvrir notre corps. Parce que vous voyez même, quand vous voyez même le régime alimentaire que Dieu a donné au peuple d'Israël, en fait, quand Dieu a dit ne mangez pas ça, ne mangez pas ça, la priorité de Dieu, c'était de veiller sur leur santé. Amen. C'était de veiller sur leur santé, se préserver leur corps. Et à un moment donné, il y a des choses qu'on ne doit plus manger. À un moment donné, il y a des trucs qu'on ne doit plus boire. Alléluia. C'est aussi ça, offrir notre corps en sacrifice. Est-ce que c'est aussi offrir notre corps en sacrifice, un culte que vous rendez à Dieu, c'est aussi le jeûne et la prière. Les chrétiens qui ne jeûnent plus, qui ne prient plus. Tu ne rends pas un culte à Dieu. Le jeûne, c'est un culte que tu rends à Dieu. Amen. Le jeûne, c'est un culte que tu rends, à Dieu. Quand tu te prives d'une journée, une journée, deux journées, trois journées, quatre journées, une semaine, 14, 21 jours, 40 jours, c'est un culte que tu rends à Dieu. Tu es en train d'offrir ton corps. Ok, oh oui, si je jeûne trop, je vais perdre du poids, mon corps choco, tout ça là. Dieu ne s'intéresse pas à ton corps choco. Dieu dit, offre-moi ton corps.
Alléluia. S'il veut que tu jeûnes pour de moi, tu jeûneras pour de moi. Offre ton corps. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois offrir ton corps en sacrifice. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur toi, Abu Dhabi Ouattara. Que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit célébré. Donc il faut offrir ton corps dans le jeûne et la prière. Il faut offrir ton corps dans la consécration. Il faut offrir ton corps. Tu dois priver ton corps de choses qui peuvent nuire. Qui peuvent nuire et empêcher au Saint-Esprit de t'utiliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, il faut offrir son corps. Ça, c'est un culte raisonnable devant Dieu. Pendant que les gens mangent, tu ne manges pas parce que tu sens dans l'esprit, Dieu ne veut pas que tu manges. Tu offres ton corps. Pendant que les gens dorment, tu ne dors pas parce que tu sens dans ton esprit, pendant 2, 3 jours, tu ne dois pas dormir, tu restes en prière. C'est offrir ton corps. Alléluia. Alléluia. Pendant que les gens de ta génération, comment dirais-je, va dans les boîtes de. Bois de nuit, bois de l'alcool, voilà, entre dans la débauche, tu ne le fais pas. C'est aussi offrir ton corps. Tu rends un culte. Pendant que les gens disent, oh, fumer, ce n'est pas grave. Tu ne fumes pas. Tu vois, si tu dis que non, je ne veux pas détruire mon corps. Voilà, tu rends un culte à Dieu. Qui a dit amen bien? 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 Voilà, il faut offrir encore. Voici le culte raisonnable que le Seigneur. L'un des cultes, en résumé, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Voilà, que le Seigneur veut que nous puissions lui donner. Voilà. Maintenant, je vais développer vite fait les différents types de cultes. Amen. Les différents types de cultes selon Dieu. Amen. Les différents types de cultes selon Dieu. Premier type de culte, c'est ce qu'on appelle le culte personnel. Le culte personnel. Premier type de culte, le culte personnel. Nous allons prendre Matthieu chapitre 6. Voilà, verset 6. Il est écrit ceci, Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Il est quand tu pries, entre dans ta chambre. Amen. Voilà. Daniel chapitre 9, verset 2 à 3. Il est écrit ceci, Daniel chapitre 9, verset 2 à 3. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qui devait s'écrouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournerai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Voilà. Donc vous voyez que j'ai pris deux textes pour parler du culte personnel. Le culte personnel, ça veut dire en fait. Tu dois avoir des temps de prière personnelle. Amen. C'est où tu pries, tu lis les Écritures et tu pries. Amen. Selon les Écritures, tu peux prier minimum 2 fois par jour, maximum 3 fois par jour. Si tu es la foi comme David, tu peux prier 7 fois comme David le faisait. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un enfant de Dieu doit prier au moins 2 fois par jour, personnellement. Au moins. Tu as le temps de prier, tu sais qu'à midi, tu es dans ta chambre, tu pries. Tu es au salon, tu es seul, tu pries. Loin de tout ce qui est téléphone, loin de tout ce qui est truc, tu pries, tu es devant le Seigneur. Amen. Ça, c'est le culte personnel. Le culte personnel est très important pour ta santé spirituelle. Amen. Si tu n'as pas de culte personnel, ta santé spirituelle va prendre un coup. C'est que tu avais peut-être un feu, le feu va tomber tout simplement parce que tu n'entretiens pas la grâce, tu n'entretiens pas le Saint-Esprit en toi. Le culte personnel permet d'amplifier la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Ok, que le Seigneur soit célébré.
Alors, donc, tu dois avoir un culte personnel. Si tu ne pries pas personnellement, tu es en danger spirituellement parlant. Si tu n'as pas de temps de prière personnelle, tu es en danger spirituellement parlant. Voilà que Daniel a pris des temps de jeûne. Tu dois aussi avoir des temps de prière personnelle. Tu dois aussi avoir des temps de jeûne personnel. Tu dois avoir un programme. Au moins, dans les Écritures, les sacrificateurs avaient 2 jours de jeûne par semaine. Le mardi et le mercredi. Le mardi et le vendredi. Les sacrificateurs avaient 2 jours de jeûne personnel. Le mardi et le vendredi. Amen. Et la Bible nous sont tous des royaumes de sacrificateurs. Donc, tu devrais avoir au moins un jour de jeûne par semaine. Au moins un jour personnel. Dans le cas de notre assemblée, nous jeûnons tous les vendredis. Mais à part les vendredis, moi-même, j'ai mes temps de jeûne. Ou j'établis moi-même mes temps de jeûne. Parfois même, Dieu ne m'a pas parlé. Je sais qu'il faut que je jeûne. Je peux aller faire des temps de jeûne. Une journée, 2 journées, je jeûne. Je cherche Dieu, je prie. Je prie pour ma maison, je prie pour ma famille, je prie pour l'église, je prie pour la mission, je prie pour la santé, je prie, je mets tant de jeûnes où j'intercède le Seigneur. J'intercède pour ma vie, j'intercède pour mon épouse, pour mon foyer, mes enfants, j'intercède pour l'église, j'intercède pour ma famille, j'intercède pour le ministère, j'intercède pour les activités, les projets, tout ça, j'intercède pour tout. Alléluia. Donc, tu dois avoir un temps de prière personnelle. Tu dois avoir des temps de jeûne personnel. Arrête d'attendre que le pasteur vienne te dire, tu dois jeûner. Toi-même, tu dois prendre la résolution d'avoir des temps de jeûne personnel. Arrête d'attendre que, oh non, je vais au culte. Voilà, si le prophète ne prophétise pas l'intention que j'ai de vouloir jeûner, je ne jeûnerai pas. Mais c'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité. Pourquoi tu attends que le pasteur, le prophète ou l'apôtre, ton leader, vienne prophétiser forcément pour que tu commences à prendre des temps de jeûne personnel? C'est de l'immaturité. Tu n'as pas besoin de confirmation, de révélation. Prends des résolutions, tout ça là. Et le Seigneur, avec le temps, s'il veut confirmer, il confirme. S'il ne veut pas confirmer, en tout cas, tu mets la parole de Dieu en pratique. Donc, si tu n'as pas déjà des temps de prière personnelle, tu es en danger spirituel. Tu peux écrire ça en commentaire. Si je n'ai pas de temps de prière personnelle, je suis en danger spirituel. Écris ça. C'est pour cela, bien-aimé, vous voyez que Daniel a vu certaines choses. Il y a des choses qui ne bougeaient pas. Il a pris la résolution lui-même de jeûner. Vous croyez qu'autour de Daniel, il n'y avait pas d'autres prophètes? Il y avait des prophètes autour de Daniel. Il y avait Jérémie autour de Daniel. Il y avait Ézéchiel au temps de Daniel. Il y avait même les compagnons de Daniel, c'était des personnes, quand même, Dieu s'exprimait au travers d'eux. Il n'a pas attendu de confirmation. Il s'est mis, il a pris l'engagement, il dit, je dois jeûner pour qu'il y ait tel résultat. Tu peux voir un combat dans ta famille, je dois jeûner pour que le combat s'arrête. Tu peux remarquer un combat dans l'église, dans la vie de ton pasteur, dans la vie des bien-aimés. Tu dis, je prends une journée de jeûne, 2 journées de jeûne, 1 semaine de jeûne pour que les choses tombent. C'est ce que Daniel a fait. Il a vu que les choses traînaient. Il a commencé à s'engager dans le jeûne de 21 jours pour que les choses commencent à changer en Israël. Tu vois, dans ton pays d'origine, les choses, ça ne va pas. Au lieu de rester à critiquer, à parler, à appeler les gens, tu as vu ça? Oh, on est foutu. Arrête d'agir comme ça. Toi-même, prends l'engagement, commence à jeûner et prier. Et le Seigneur va commencer à agir. Prends des résolutions personnelles. Prends la résolution ce soir. Seigneur, je veux honorer le culte personnel. Je veux honorer le culte personnel. Est-ce que l'enseignement te bénit? Si l'enseignement te bénit, balance des likes, et tu écris des amen. Voilà. Alléluia. Come on. Can I teach? Voilà. Deuxième culte. Deuxième type de culte. Deuxième type de culte, c'est le culte de famille. Deuxième type de culte. C'est le culte de famille.
C'est le culte de famille. Josué chapitre 24, à partir du verset 15, il est écrit ceci. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le culte de famille, ça veut tout simplement dire, c'est que c'est des temps de culte en famille. Le temps de culte avec monsieur et madame. Voilà. Tu es marié, vous êtes enfant de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut se marier dans le Seigneur. Hein, ma soeur, arrête de chercher des personnes qui ne sont pas converties pour te marier. Si tu te maries avec une personne qui n'est pas convertie, il ne va pas comprendre, tu ne vivras pas cela. Tu ne vivras pas ce deuxième culte-là. Tu vas prier que seul. C'est pour ça que quand on se marie dans le Seigneur, c'est pourquoi favoriser ce type de culte, le culte en famille. Amen. Le culte en famille. Tu dois prier avec ton mari. Tu dois prier avec tes enfants. Oui. Tu dois aussi prendre les enfants. Tu dois inculquer la culture de la prière. La prière en famille. L'importance de prier en famille. Par semaine, tu dois avoir des temps de culte en famille. C'est pour cela, bien aimé, je dis toujours que quand vous vous mariez, si tu te maries dans le Seigneur, le pasteur de la famille, c'est le mari. C'est le mari dans la famille, c'est lui le pasteur. Même si à l'église, il est simple frère et qu'à l'église, il est peut-être prophétesse des nations, dans la famille, c'est lui le patron, c'est lui le pasteur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Écoutez, c'est ce problème que Paul a réglé quand il a dit « Je ne permets pas à la femme de parler. » Je ne permets pas à la femme de parler. C'était par rapport au couple. Parce que comme vous voyez plus beau, il dit « Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur son mari. » La version Osterval dit, la version Osterval, l'une des versions les plus proches du texte original, dit, même la version King James le dit, « Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur son mari. » Donc, quand Paul disait « Je ne permets pas à la femme de parler ou bien d'enseigner », c'était par rapport au foyer, c'était pas par rapport à l'église. Commande, c'était par rapport au culte de famille. Il dit même, c'est des questions qu'elle se taise, qu'elle pose et qu'elle va le poser à la maison. Parce que dans le foyer, c'est le pasteur de la maison, c'est l'homme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, il faut le culte de famille. Le culte de famille. Paul n'a pas interdit aux femmes de prêcher, puisque lui-même, il avait des collaboratrices femmes. Il avait des collaboratrices femmes, des prédicatrices femmes. Paul ne peut pas se contredire. C'était, il réglait le cas de famille. Amen. Donc, il est important d'avoir un culte en famille. Tu n'as pas d'enfant, tu dois avoir un culte avec ta femme. Amen. Si tu es avec les enfants, il y a une heure là. Les enfants, arrêtez les jeux, arrêtez tout, vous venez, on prie en famille. Et toi, papa, tu dis, bon, mon enfant, qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Vous priez ensemble. Il y a un combat, ne dites pas, je vais prier. Apprends l'enfant, fais à son enfant, on va prier ensemble. Comme ça, l'enfant verra que la prière marche et l'enfant va commencer, lui, m'a commencé à prier. Il ne faut pas dire à l'enfant, yeah, je vais prier, hein, je vais prier, mon alliance va marcher. Non! Si tu fais ça, l'enfant ne prendra pas l'habitude, ne, n'aimera pas la prière. Quand il y a des combats, mon enfant, qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai ça. Donc, on va prier ensemble. Jeûnons ensemble. Tu prends une journée de jeûne avec l'enfant. Deux de jeûne avec l'enfant. Vous priez ensemble. L'enfant lui-même va voir. L'enfant va voir que la prière, ça marche. L'enfant va voir la vie de prière, ça marche. Lui-même va dire, papa, je vais commencer moi-même à prier. C'est comme ça qu'on fait? Papa, vous, les parents, vous démissionnez. Vous dites, non, ah, ça, pasteur, viens régler ça. Non, ça, c'est pas le rôle du pasteur. Le pasteur, son travail, c'est à l'église, c'est à l'assemblée. À la maison, là, c'est toi, c'est le papa, c'est la maman. Vous gérez. Est-ce que je n'ai pas aggravé la parole de Dieu? Est-ce que je peux aggraver? Est-ce que je peux Godipa? Est-ce que je peux teach? Est-ce que je peux... Alléluia! Le culte de famille. Voilà, donc, il faut prendre tes enfants, parents. Prends tes enfants, prends ta femme et vous dites,
Maintenant, j'ai écouté le prophète David Stéphane Ovam, l'homme béni et indestructible. Il a enseigné l'importance d'avoir les cultes en famille. Alors maintenant, par semaine, tous les lundis, tous les mardis, quel que soit le jour qui t'était, on va prier et on va jeûner ensemble. C'est comme ça. Maintenant, si... voilà. C'est pour ça qu'il faut te marier avec une personne qui est en Christ. Parce que la personne qui n'est pas en Christ ne comprendra pas la puissance de la prière en famille. Et ça, ça peut donner naissance à une église. Ok, je passe. Je passe. Ça te bénit? Est-ce que ça te bénit? Si ça te bénit, balance les cœurs, balance les cœurs, balance les cœurs, dis amen fort, je ne sais pas. C'est pour ça que Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, moi et ma famille. Moi et ma famille. Nous allons prier le Seigneur. Moi et ma famille, nous consacrons au Seigneur. Moi et ma famille. Come on. Voilà. Troisième culte. Troisième culte, c'est le culte avec l'Assemblée des Saints. Excusez-moi. C'est le culte avec l'Assemblée des Saints. On peut s'inspirer du psaume 133, un psaume qui est très célèbre, qui lui qui est doux et des frères en sorte de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Voilà, je paraphrase. Déjà, on voit la bénédiction. Donc, c'est-à-dire que non, le culte, il est important dans les cultes d'avoir un culte personnel, d'avoir un culte en famille et d'avoir un culte avec l'Assemblée des Saints. Mais dans le culte avec l'Assemblée des Saints, la Bible nous dit, le culte personnel, voilà, les bénédictions liées au culte personnel, les bénédictions liées au culte personnel, c'est ça renforce ta protection spirituelle et ça t'accorde la croissance et l'intimité avec Dieu. Ça, c'est les bénéfices de l'intimité personnelle. Voilà, et le culte personnel. Le culte en famille permet à renforcer les liens de famille. Voilà. Renverser le lien de famille, ouvrir le ciel dans toute la famille, amener les bénédictions dans la famille. Bon, maintenant la Bible dit dans le culte dans l'Assemblée des Saints, on dit c'est là que Dieu envoie la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est dans le culte avec l'Assemblée des Saints. Le psaume 133. Lisez le psaume 133, vous allez comprendre ce que je viens de dire. C'est là que la vraie bénédiction arrive. Le psaume 133 le dit clairement. Si tu n'as pas une assemblée spirituelle, une église, une famille spirituelle, il y a des bénédictions là que tu ne vas jamais vivre. Il y a des grâces là qui ne viendront jamais sur toi. C'est pour cela que, bien aimé, n'écoutez pas ces prédicateurs, ce prédicateur de mort qui disent toujours il faut quitter les assemblées pour rester à la maison. C'est une parole qui vient de l'enfer. Excusez-moi, c'est une parole qui vient de l'enfer. Parce que l'ennemi sait que quand tu es dans l'Assemblée des Saints, tu reçois la bénédiction. Tu reçois la vraie bénédiction. Écoutez, combien de fois dans nos cultes, le Seigneur a sauvé des vies. Parce que quand tu viens dans les cultes, et surtout, dans les assemblées, surtout si l'église est très prophétique, Dieu peut localiser les membres de ta famille. Combien de fois dans notre culte, Dieu a sauvé les membres de famille des gens. Dieu a sauvé les camarades des gens. On est là, Dieu donne des noms des gens. Dieu révèle la vie des camarades, des amis, des membres de famille. Parce que quoi, tu es venu au culte. Faut comprendre quand tu viens au culte, tu ne viens pas seul. Tu viens avec chacune de tes relations. Tu viens avec chaque membre de la famille. Donc, si tu es absent au culte, tu ne viens pas au culte, tu prives ta famille de la bénédiction. Tu prives tes relations. Oh, est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu? Est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu? Oh, celui qui dit amen bien, pendant que tu es en train de dire amen fort, Dieu est en train de visiter les membres de ta famille. Dieu est en train de visiter tes relations. Dieu est en train de te séparer de mauvaises personnes et de te connecter aux bonnes personnes. In the mighty name of the Greek of Christ. Ce qu'il faut comprendre que quand tu viens au culte, tu ne viens pas seul.
Tu viens avec ton père, tu viens avec ta mère, tu viens avec tes enfants, tu viens avec tes camarades, tu les viens, tu les transportes. Si tu ne viens pas au culte, tu ne permets pas au Saint-Esprit de visiter les morts. Oh, est-ce que je peux aggraver? Est-ce que je peux? My God, 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 my God. C'est là que la véritable bénédiction arrive. C'est là. L'ennemi va tout faire pour que tu n'aies pas d'assemblée. L'ennemi va tout faire pour que tu loupes les réunions. L'ennemi va, parce qu'il sait que si tu loupes, ne fût-ce que pendant 2-3 mois, on ne te voit plus. Bien aimé, par expérience, des personnes qui disent au prophète, d'abord, je fais 2-3 mois, je ne viens, je fais pendant un mois, je viens pour, je occupe parce que je suis occupé. Bien aimé, l'espérance a toujours montré que ces types de personnes, tôt ou tard, ils vont s'éloigner de la foi. Tôt ou tard. Tu peux être occupé comme quoi? Arrange-toi de venir au moins 2 fois par mois. Quand je suis revenu du Gabon, avec le feu du réveil, bien aimé, j'ai fait quoi? Je crois, si je ne me trompe pas, 3 mois, je n'avais pas d'église. Je cherche, à l'époque, bien aimé, quand je suis arrivé ici, là, à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'église de réveil à l'époque, à Toulouse, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, bien aimé. À l'époque, là, il n'y avait rien. Donc, quand j'étais à la maison, là, bien aimé, à un moment donné, je sentais le feu qui était sur moi en train de débaisser. Je ne priais plus. Je ne jeûnais plus. Ma vie spirituelle était en train de partir. Il y a des choses que je ne faisais plus. Commençaient à revenir. Des habitudes que je ne faisais plus. Par ma vie de consécration, ça commençait à revenir. Parce que je n'avais pas d'assemblée. À un moment donné, j'ai crié, Seigneur, sauve-moi. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Dieu a créé une circonstance. J'ai découvert une assemblée. À l'époque, à l'église, les églises n'avaient pas encore de site internet. Parce qu'à l'époque, à cette période-là, site internet-là était considéré comme les choses du diable. Dans les églises, ne faisaient pas de site internet. Donc, pour trouver une église, c'était compliqué. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai pris le bus. À l'époque, c'était le bus 10. Comprenez, bon, pour les anciens de Toulouse, comprenez au Capitole. On prenait au Capitole qui nous amenait vers les Minimes. Le bus 10. J'avais pris ce bus 10 et je m'étais arrêté vers les Minimes. Premier arrêt aux Minimes. Le premier arrêt aux Minimes, le bus 10, s'arrêtait à l'église des Minimes. Donc, quand j'arrête l'église des Minimes, je descends, je ne sais pas qu'est-ce que je suis parti faire là-bas. Je ne m'appelle plus. Hein. Je suis descendu. Je dis église des Minimes. J'ai cherché l'église. Hein. Quand j'ai vu l'église des Minimes, je me suis arrêté. J'ai tourné, j'ai vu l'église catholique. J'ai cherché. Et après, je me pose la question, mais il n'y a pas une église évangélique ici, tout ça là. On m'a dit, mais c'est derrière vous. J'ai retrouvé. Ah, c'est là où j'ai retrouvé l'église. Quand je suis venu dans les assemblées de l'Assemblée des Saints, j'ai repris vie. Dieu a utilisé une femme même pour me parler. L'Esprit de Dieu me dit, J'ai dit, oh, je reprends vie. Bien aimé, quand tu es dans l'Assemblée des Saints, Dieu te protège et te garde davantage. Donc, il est important d'avoir un culte dans l'Assemblée des Saints. Il faut avoir une assemblée. Il faut appartenir à une assemblée, à une famille spirituelle. Alléluia. Tu dois avoir une autorité spirituelle. C'est important. Écoutez, il y a une chose qui m'a marqué. Quand vous lisez les évangiles, à chaque fois que Jésus venait dans une ville, la première chose que Jésus faisait, il partait à la synagogue. Le mot synagogue veut dire église. Le mot synagogue veut dire église ou assemblée. Synagogue, c'est la même expression qu'ecclésia ou église. À chaque fois que Jésus lisait les évangiles, vous allez voir ça. Jésus rentrait dans une ville, la première chose que Jésus faisait, on dit comme à sa coutume, il partait à la synagogue. Il partait rendre culte. Il avait son ministère, mais le sabbat, il partait à la synagogue. Il partait à l'assemblée des saints. C'est, Jésus ne manquait pas de ça. Donc, même si Jésus, Dieu fait homme, avait pour habitude d'aller à l'Assemblée des Saints, qui es-toi? Qui es-tu plutôt pour dire je ne vais plus à l'Assemblée des Saints? Si Jésus,
Même l'apôtre Paul le faisait. Quand on lit les actes des apôtres, vous allez voir que Paul aussi faisait. Quand il venait dans une ville à cause des missions, il partait toujours le sabbat à la synagogue. Si ces papas-là le faisaient, qui es-tu toi pour ne pas avoir une assemblée? Qui es-tu toi? Il y a des gens quand ils voyagent même, il y a des gens quand ils vont en vacances, ils ne cherchent même pas une assemblée dans l'endroit où ils vont. Ils ne cherchent même pas l'assemblée. Je vais en vacances, mais tu vois, les vacances c'est bien. Mais le week-end, tu vas où? Le week-end, c'est pas pour faire la bamboula. Le week-end, va rendre gloire à ton Dieu qui a permis que tu puisses avoir ces vacances. Cherche l'assemblée. La Bible dit quoi? Pourquoi? Parce que les doux et frères sont de mon sang, parce que c'est là que Dieu répond à la bénédiction. Amen. Alléluia. Aïe. Abdoulaye Ouata, que Dieu te bénisse. Tu n'as pas suivi mon premier discours quand je parlais d'affaires de l'argent. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les yeux. Voilà. Regardez ce qui est écrit. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Il est écrit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient rassemblés, ils étaient en prière. Parce qu'ils étaient régulièrement ensemble, la bénédiction du Saint-Esprit est descendue. Bien aimé, il y a des endroits là, si tu ne te rassembles pas dans ta famille spirituelle, le Saint-Esprit ne peut pas te visiter. Il y a une de mes filles spirituelles, à l'époque, quand on était dans l'ancienne salle, on avait fait une série de programmes de jeunes. On a fini le culte. L'atmosphère était tellement à l'église. Moi, j'étais fatigué parce que j'avais trop travaillé, j'avais trop prié pour les gens, trop fait études de délivrance. J'ai dit, les enfants, moi, je vous laisse. Je suis rentré. Les bien-aimés sont restés au temple. Ils ont papoté dans la prière. Donc, après un moment donné, une veille de prière s'est improvisée. Et dans ces temps de prière, la bien-aimée, qu'est-ce qui s'est passé? Une des bien-aimées qui cherchait baptême du Saint-Esprit, qui cherchait parler en langue de pluie, là, elle a été visitée ce jour. L'assemblée, c'est dans l'assemblée. C'était pas dans sa chambre. C'était pas dehors, c'était dans l'assemblée. Parce qu'ils étaient tous ensemble, le Saint-Esprit va. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir, visiter par le Saint-Esprit si tu es seul. La base, c'est d'abord l'assemblée. Quand tu es dans une assemblée, tu es connecté à une source. Une source qui vient de Dieu. Mais la famille spirituelle. J'étais parti au Maroc pour une mission au Maroc. Et puis la mission là, l'onction, ce jour-là, le Saint-Esprit était debout. C'était incroyable. Des guérisons, des miracles incroyables. C'était extraordinaire. L'onction était tellement tombée à la réunion, à la première réunion, que les bien-aimés qui faisaient partie de l'équipe du pasteur qui me recevait, ils sont partis dans la voiture. Et dans la voiture, là, l'onction est tombée dans la voiture. Ils commençaient à parler en langue, crier sous l'onction. Tout ça, ils disent, oh Seigneur! Le long de 800 minutes, tout le monde dit, ce programme, il y a quelque chose. C'est pourquoi? C'était dans l'assemblée. Parce qu'ils étaient dans l'assemblée, dans l'événement de l'église. Le Saint-Esprit a décidé de descendre. Bien aimé, il y a des visitations que tu ne pourras jamais expérimenter en étant seul. Il y a des visitations d'onction que tu ne vivras jamais en étant seul. Il y a des visitations de grâce que tu n'obtiendras jamais en étant seul. Il y a même des délivrances que tu n'auras jamais en étant seul. Tu as besoin de l'atmosphère de la famille spirituelle. Tu as besoin de l'atmosphère des frères et sœurs. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'onction corporative. Oh my God, je sens l'onction même. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 42. La Bible nous dit, Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fonction du Père et dans la prière. Donc, vous voyez l'importance des cultes dans l'assemblée. Il persévérait. L'assemblée des saints, c'est la persévérance. Si tu ne persévères pas dans l'assemblée, il y a des choses que tu ne vivras jamais. Il y a des gens qui ont 36 églises en moins de un mois. Tu changes d'église. Mais si tu ne persévères pas, tu n'es pas fidèle à une famille, à une onction, il y a des grâces qui ne viendront jamais sur toi. Il y a des gens qui n'ont jamais fait 2 ans, même une année dans une assemblée. Une année. Moi, le petit truc, oh, moi, je quitte l'église. Le pasteur ne m'a pas mis mon jour. Moi, le petit truc, oh, je quitte l'église. J'étais malade, personne ne m'a appelé. Bien aimé, tu n'as rien compris. Dans l'assemblée des saints, il faut être persévéré. Il faut être persévéré dans quoi? Dans l'enseignement. Persévérer dans l'enseignement du pasteur. Persévérer à mettre l'enseignement en pratique avec persévérance. Alléluia. C'est que des thèmes par mois, des thèmes par week-end, des conférences, des formations, il faut persévérer. Même si on répète les mêmes choses, persévère. Parfois, Dieu répète les mêmes choses parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris le truc. L'enseignement. Persévère dans l'enseignement. Dans le culte avec l'Assemblée des saints, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il faut persévérer dans la communion. Il faut persévérer dans la communion. La communion fraternelle. Alléluia. La communion fraternelle a besoin de communion. De persévérance plutôt. Si tu ne persévères pas dans la communion fraternelle, il y a des victoires que tu ne verras jamais. Il y a des guérisons de cœur que tu n'obtiendras jamais. Il y a même des surprises. Bien-aimé, j'ai fait plus de 5 ans pasteur principal visionnaire de l'église. 5 ans, je n'avais pas de salaire. Les anciens de l'église, s'ils sont connectés, ils peuvent confirmer. Moi, je ne sers pas Dieu pour l'argent. Je sers parce qu'il y a des âmes à gagner. Amen. 5 ans, je n'avais pas de salaire. J'avais pas de salaire, rien du tout. Rien. Je faisais des visites de prière. Je priais pour les gens. Les gens recevaient leur délivrance. Les gens recevaient leur restauration. Des miracles incroyables. Des révélations prophétiques très précises. Des réalisations des choses. Je n'avais pas de salaire pendant 4-5 ans. Et un jour, j'étais tellement fatigué. Je sentais la fatigue dans mon esprit et dans mon corps. Et je conduisais, j'entends le Seigneur me parler de l'Espagne. Je dis, ah, Espagne, est-ce que c'est une œuvre que tu veux déjà ouvrir là-bas, Seigneur? Et un matin, pendant la période de mon anniversaire, je n'ai rien demandé, je n'ai rien truc. Moi, je suis sans façon. Un anniversaire peut passer comme ça, là. Si Jésus est Seigneur, c'est le plus important. Et ce jour-là, l'Église m'avait fait une surprise. Je ne savais de rien. Je n'ai rien demandé aux gens. C'est mon anniversaire, j'ai chanté le Seigneur, le gloire. Moi, je voulais juste aller au restaurant, manger avec ma femme, et puis rentrer à la maison à nous aller. Mais ce jour-là, je suis venu au culte. À la fin du culte, l'Église s'est mise. Papa, maman te fait une surprise pour ton anniversaire. Tu es fatigué, on sent que tu es fatigué. Tu parles que tout le temps, il faut que tu te reposes. L'église s'est organisée, ils m'ont organisé un voyage en Espagne pour se reposer. Ça, c'est la puissance de la communion fraternelle. C'est ça. Ça, c'est la puissance de la communion fraternelle. Tu es tellement persévérant, tu es tellement aimant. Tu aimes tellement les gens, tu veux tellement que les gens. Tu te bats pour que les autres avancent. Un matin, ça va, les gens vont te visiter. Dieu va visiter, va passer par des personnes pour te visiter. Ils ont dit non, tu dois aller. La puissance de la communion fraternelle. Il y a un de mes filles qui devait m'accompagner en mission. Il n'avait pas d'argent pour m'accompagner. Les frères de l'église, par surprise, ils ont cotisé, ils ont payé le billet de mon fils, il m'a accompagné en mission. La puissance de la communion fraternelle. C'est ça la puissance de la communion fraternelle. Les gens ne m'aiment pas. Il n'y a pas d'amour.
Mais ça ne fait même pas 2 semaines, tu dis qu'il n'y a pas d'amour. Tu ne persévères pas dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. La persévérance dans la fraction du pain. Quand on parle de la fraction du pain, ça parle de quoi? Des agapes. Ça parle aussi des agapes, des agapés, des repas. Voilà. Amen. Communion ensemble. Voilà, tu apportes quelque chose. L'autre apporte et ensemble vous mangez, vous vous réjouissez dans la grâce de Dieu. La fraction du pain parle aussi de la sainte scène. Amen. L'importance du culte en famille. L'importance du culte avec l'assemblée. Ça parle aussi de la sainte scène. Manger le corps du Christ sans sang et boire son sang. Tout ça, la personne qui boit le corps, qui boit son sang, reçoit la vie. Bien-aimé. L'importance de la communion fraternelle. De la fraction du pain. Et dans les prières. Vous voyez, dans l'assemblée de Dieu, on vous apprend aussi à persévérer dans la prière, à persévérer dans les cultes, à persévérer dans les veillées, à veiller de prière. Oh, première veillée, tout le monde a été visité. Moi, je n'ai pas été visité. Je ne viens plus pendant les veillées. La Bible dit qu'il faut persévérer dans les prières, dans l'assemblée. Il y a 12 mois. 6 mois est passé. Dieu a visité les autres. Mais il y a 6 autres mois. Pourquoi tu ne persévères pas? Donc, vous voyez. Dans la communion, le culte de femme, le culte avec l'assemblée des saints, il y a les enseignements, il y a la communion fraternelle, il y a la fraction du pain et la prière. Vous voyez que même ce week-end à la Pentecôte, on a vécu des choses extraordinaires. C'était un week-end vraiment merveilleux. Moi, je suis une personne qui est rarement satisfaite. Mais ce week-end, j'ai senti la joie du Seigneur dans mon cœur, dans mon esprit. En fait, c'était partout dans mon corps. La joie du Seigneur. Je me reposais comme ça. C'est comme si j'étais au ciel. C'est ça la puissance de l'assemblée. On se soutient, on se bénit. On est dans la joie. Vous savez, encore dans la communion fraternelle, Dieu opère des guérisons. Dieu opère des restaurations. Dans une assemblée, j'ai une de mes filles qui a subi des temps de combat pendant des années. Mais une bien-aimée m'a dit, prophète, est-ce que ça te gêne, ça te dérange si j'appelle la bien-aimée pour prier avec elle? J'ai dit, c'est ça la communion fraternelle. Appelle et prie avec elle. C'est ça la puissance de la communion fraternelle. Alléluia. C'est ça la puissance. L'amour. Alléluia. Tu vois un besoin, tu apportes la solution pour combler le besoin. C'est ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, tu n'attends pas tout le temps qu'on te fasse du bien. Toi, commence à faire du bien. Toi, commence à faire le pas. Montre l'exemple. Il faut que tu aies une assemblée. Ça fait des années, tu n'as pas d'assemblée. C'est normal, ta vie spirituelle ne va pas bien. Les bénédictions que tu n'arrives pas à avoir parce que tu n'as pas d'assemblée. Parce que tu écoutes des enseignements qui disent qu'il faut quitter les assemblées pour rester à la maison. Tu écoutes des enseignements comme ça, je vais rester seul, je vais vivre ma vie, je vais vivre ma vie. Non, bien-aimé. C'est un message qui vient de l'enfer. Bien-aimé, en tout, il y a le bon et le mauvais. En tout, il y a le bon et le mauvais. S'il y a des mauvais, il y a ce qui est le vrai. Écoutez, je vous dis une chose. La monnaie de 3 dollars n'existe pas. Vous comprenez? La monnaie, ou bien le billet de 3 dollars n'existe pas. Dites, confirmez-moi, c'est juste je me trompe. Pourquoi le billet de 3 dollars n'existe pas? Je dis, pourquoi les faux, voilà, les faux billets de 3 dollars, voilà, j'étais embrouillé dans mon truc. Le faux billet de 3 dollars n'existe pas. Amen. Dites-moi, il n'existe pas de faux billets de 3 dollars. Pourquoi il n'existe pas de faux billets de 3 dollars? Tout simplement parce que il n'existe pas de vrais billets de 3 dollars. Donc, c'est-à-dire que non, s'il y a un faux, sachez qu'il y a un vrai. S'il y a des faux pasteurs, sachez qu'il y a des vrais pasteurs. S'il y a des fausses églises, sachez qu'il y a des vraies églises. S'il y a des fausses doctrines, sachez qu'il y a des vraies doctrines, les doctrines saintes.
S'il y a des faux prophètes, sachez qu'il y a des vrais prophètes. À chaque fois qu'il y a un faux, cela sous-entend qu'il y a un vrai. Si le diable existe, c'est que Dieu existe. À chaque fois qu'il y a le négatif, sachez qu'il y a toujours le positif. Donc le négatif sous-entend que le positif existe. Donc tu as pendant des années, tu es tombé que sous des faux pasteurs. Commence à prier. Des fausses églises. Commence à prier. Seigneur, amène-moi dans une église qui vient de toi. Amène-moi dans un coin de Dieu qui vient de toi. Dieu va te conduire. C'est des prières que Dieu exauce tout de suite. Et lorsque Dieu t'envoie là-bas, sache une chose, aucune église n'est parfaite. Aux trois premières années, tout sera beau. Mais à un moment donné, là, tu vas commencer à voir des trucs qui vont peut-être te frustrer. Mais c'est ça la persévérance. C'est là que Dieu va maintenant voir ta persévérance. Dans l'Assemblée des Saints, il faut avoir un esprit de persévérance. Si tu n'as pas un esprit de persévérance, puisque tu sais qu'ici c'est vrai, donc maintenant il faut persévérer. Il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite. La seule personne qui... là où c'est parfait, c'est au ciel. Mais sur la terre, tant que les choses sont sur la terre, rien n'est parfait. Rassure-toi, c'est justement que Dieu est dans la chose. Si Dieu est dans la chose et que tu es appelé à t'attacher à cette famille spirituelle, reste-y et persévère. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça que tu vas voir, tu seras pleinement béni. Parce que tu respectes les trois types de culte. Si tu respectes les trois types de culte, tu es béni. Tu es béni. Tu es complètement béni. Tu vis les grâces, tu vis les faveurs. Amen. Est-ce que l'enseignement t'a béni ce soir? Est-ce que l'enseignement t'a béni ce soir? Donc, je vais vraiment vous interpeller et avoir une communion avec le Seigneur. Voilà. Priez avec votre famille. Hein? Priez avec ta femme, priez avec ton mari, priez avec tes enfants. Si tu es parent célibataire, aide des cultes avec tes enfants. Prends tes enfants, priez par semaine. Prie avec tes enfants par semaine. Il faut que les enfants apprennent à prier. Amen. Tu prends les enfants, tu dis voilà, chaque semaine, tel jour, on prie. Voilà. Et ça va amener la grâce. Ça va amener la grâce. Ça va renforcer la protection de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Qui a été béni, qui a été béni, qui a été béni. Si tu as été béni, balance tes cœurs. Si tu peux dire Amen fort. Voilà, tu peux Amen fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Jésus est bon. Dis Amen fort, dis Amen fort, dis Amen fort, dis Amen fort, dis Amen fort. Dis Amen fort. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Donc voilà. Je prie que Dieu vous oriente dans une bonne assemblée si tu n'as pas d'assemblée. Que Dieu vous fasse rencontrer un bon pasteur si tu n'as pas de pasteur. Si tu n'as pas de pasteur, voilà. C'est important. C'est important d'avoir un leader spirituel. C'est très, très important. Et c'est biblique, hein? C'est biblique. C'est très important d'avoir un leader spirituel. C'est très important d'avoir une assemblée spirituelle. Voilà. Ça renforce la protection. Ça renforce la grâce de Dieu. Donc, la Bible dit que lorsque la belle-mère de Pierre a été guérie, elle s'est mise aussitôt à servir le Seigneur. Voilà, elle s'est mise aussitôt à servir le Seigneur. Ça veut tout simplement que quand Dieu te libère, il veut que tu t'engages dans son église. Il veut que tu travailles dans son église afin de renforcer la guérison et la délivrance. Dieu ne te libère pas pour que tu sois seul dans ton coin. Dieu ne te libère pas pour que tu sois à la maison. Dieu te libère, c'est pour que tu t'engages dans l'église et que tu le serves. C'est ça. Parce qu'il y a des personnes qui viennent. Moi, j'ai pris la résolution de ne plus prier pour ce type de personnes. Qui cherchent vraiment la délivrance, après la délivrance, ils vont vivre leur vie du passé. Je ne prie plus pour ce type de personnes. Je ne prie plus pour eux. Parce que je ne suis pas en train de les arranger, je suis en train de les tuer si je prie pour eux. Amen. Donc quand Dieu te libère, c'est pour que tu t'engages. Voilà.
quand il te libère, engage-toi dans une assemblée, sers Dieu. Ça va renforcer la grâce, ça va renforcer la libération au nom du Christ de Nazareth. Amen. Donc, je déclare la grâce de Dieu sur votre vie, la faveur de Dieu, que Dieu restaure votre vie de prière, que Dieu dépose sur vous une onction de culte de famille. À partir d'aujourd'hui, prenez la résolution. Prenez la résolution de prier en famille. Voilà. Tu es marié. Tu dois prier avec ton mari ou ta femme. Vous avez des enfants. Priez avec vos enfants ensemble. Si tu es parent célibataire, tu dois avoir des temps de culte avec tes enfants. Les enfants doivent apprendre à prier. Voilà. Vous devez imposer ça dans la grâce de Dieu. Au nom de Christ Nazareth. Il faut qu'ils sachent qu'ici on prie. Voilà. Et tu n'as pas d'assemblée, cherche une assemblée. En plus de ta vie de prière personnelle, en plus de ta vie de famille, il faut que tu aies une assemblée spirituelle, une assemblée, une famille spirituelle. Il faut que tu sois couvert par une autorité spirituelle. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, donc ça va vous aider, ça va vous aider. Voilà, c'est ça l'évangile. C'est si simple. Non, n'écoutez pas les désirs de bonne aventure qui vous disent « Oh, c'est faux, c'est faux, c'est faux. » Non, l'évangile, c'est ça. Jésus le faisait, les apôtres le faisaient. Voilà, et ce sont des... Il dit, la Bible dit « N'abandonnez pas vos assemblées comme le font plusieurs. » Voilà. Voilà, non, on n'abandonne pas une assemblée. On reste dans l'assemblée. Tu peux abandonner l'assemblée si tu à cause du travers, on t'a muté, oui. C'est tout. Sauf si l'assemblée aussi est démoniaque. Il faut être sûr, si ce n'est pas démoniaque là, bien aimé, il faut rester et travailler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, donc, on va préparer une autre rencontre prophétique. Je vais l'annoncer prochainement, voilà, par la grâce de Dieu. Et nous sommes en train de préparer la deuxième édition de Le Choix du Congé. Nous excusons pour ce décalage. On a eu tellement de choses à faire. Il fallait chercher encore le Seigneur, il fallait mettre sur pied certaines choses. Tout ça, on a des missions entre-temps, donc c'est pour ça que ça traîne. Mais quand la date sera précise, on vous donnera la date pour la deuxième partie de l'école, du choix du conjoint. Et pendant le direct du choix du conjoint avec mon épouse, voilà, il y aura une surprise qu'on va vous dire pendant ce direct. Donc, garde-nous en prière. Si tu as à cœur de faire une offrande d'amour, vous avez les coordonnées sur la page via PayPal. Faites votre offrande d'amour. Voilà. Que Dieu vous bénisse et encore bonne célébration de la Pentecôte. Je vous aime énormément. Shalom, shalom et shalom.